Bonjour YouTube! Bonjour Farinum. Bonjour. Le jeu il doit être caché quelque part. Ouais, le jeu qui est en train de charger, il y a trop de machines partout. Ah, c'est vrai! Ma jolie petite usine que t'es en train de détester. Incroyable. Ah, moi j'adore. Moi j'adore. D'ailleurs. Youpi. Programme du jour. Qu'est-ce qu'on cherchait ici? Programme du jour? Bah, très bonne question. Je sais pas, je ne sais même pas combien je t'ai fait de machines. Ah, on lance en mode vanille, hein. En mode on va tourner un épisode quoi. En mode on sait pas trop quoi. Pourquoi j'ai gardé ça ouvert ici? Ah. Je pense qu'il y avait une raison. Je pense qu'il y avait un vrai motif à l'ouverture sur le pont d'ici. Ah certainement, mais je... Je pourrais pas te le dire. Sinon je mets des cloisons et on en parle plus hein. 4, 8, 12, 16. On va se mettre des murs et voilà, fin hein, d'histoire. Ah, j'allais vendre les machines à moi. Bon, Dico, en tout cas, niveau bon char, on est bon. Je vais aller vérifier ça, mais. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. On a combien là? On a combien de machins là? Il y a combien de cheminées ici là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 4, 12 et 4, 16. On a donc 16 machines. Ce qui veut dire que là on a une jolie place. Alors, ah, du coup, je pense que je suis le seul à avoir de la verdure, c'est ça? Ouais. Il n'y a plus de verdure, c'est ça? Ouais. Ouais, clairement, il n'y a plus rien. Ah, j'ai pas mis une petite rampe ici. Je me déçois moi-même. Oh, hey, je t'avais pas obligé à débloquer des trucs. Ah non. Va falloir qu'on débloque des trucs. Moi, je suis pas content. Sinon. Hop là. Débloquer. En fait, il nous faut entre autres les petites rampes. Tu vas voir, on peut débloquer des rampes qui sont les mêmes inclinaisons que celles qu'on a maintenant. Sauf que t'es pas obligé de mettre ta rampe, un bloc, puis une rampe dessus, etc. qui coûte chacun donc 6, donc du 12 de béton. Tu peux juste mettre une rampe qui coûte du 5, en plus qui coûte moins cher. Et ça, bah on adore ici. La connard fin en production. Mm-hmm. On faisait des choses intéressantes ou pas? Je suis pas très sûr. Ah oui, on était sur ascenseur, c'est ça? Ascenseur orbital. Ça avait l'air d'être ça l'histoire là, non? Je crois qu'on allait relancer l'ascenseur hôpital. Ah. Go, je vais voir si on peut faire feu. Ok. En termes d'énergie, t'es comment? Oh, ça allait ça, non? Ah non, on va pas lancer du tout, hein. Pas du tout, monsieur. Non, mais pas le lancer. Est-ce qu'on montre un peu aux gens le cœur du gameplay de Satisfactory qui consiste à attendre une centaine d'heures que tout se produise? Vraiment, je pense que ça va vraiment passionner les gens. Ah oui, on avait commencé les poteaux électriques V2. Ah oui, du coup, je m'étais relancé à fond sur la recherche aussi. Ok. Non, mais quand je dis qu'on avait relancé, c'était dans le sens qu'on était en train de relancer les productions pour pouvoir le lancer. Oui, oui, tout à fait, j'entends bien. On n'a pas de... Non, clairement... Aurais-tu, par le plus grand des hasards... alors là, 5 on doit avoir. Ah, ça serait bien que t'aies 2000 cuivres. T'as ça, hein. Je suis sûr que t'as ça. Je crois que t'as genre 2000 filasses de cuivrasse qui traînent. Ah, me mens pas ou je refais 16 machines. Je te préviens, hein, je refais 16 machines à bon char. Hein. D'ailleurs, je te dis ça, je vais en faire 16, mais je vais être obligé avec toi. Et la consommation de jus que t'as, non? Ah non, t'as été sage, hein, t'as débranché des trucs. Non, ça va. Non, bah 16 machines, c'est déjà beaucoup, hein, ça confirme. Bon, bah je te rebrancherai 32 dès que je peux. Hein. Je sais même pas si j'ai mis des Foros V2 là-bas. On les a les Foros V2? Moi je sais même plus hein, où on en est dans cette game. Hein. C'est terrible. Ouais, on a de la Foros V2. Ouais, je pourrais te faire des Foros V2 à bon char et du coup peut-être partir sur un abus complet. Parce que comme j'expliquais à notre jeune ami ici présent, ouais. C'est que dans ma partie solo du coup, que peut-être du coup je vous montrerai un jour pour voir un peu la tête qu'a une partie qui a une centaine d'heures. Très exactement, on en a 159 pour être précis.
Oui, parce que bon, après, on va pas se mentir, hein, le jeu a beaucoup tourné à vide. Hein. Genre. Ah, j'en produis un par minute ? Et il en faut 500 ? Bah, vas-y, hein, le jeu, tu restes ouvert. On l'a fait en 80 heures, le slot party. Ouais, ouais, bah, tu peux speedrun après, puis bah, tu peux surcharger les machines, quoi, aussi. Hein. Bon, moi, je l'ai pas fait, hein, j'ai laissé tourner. Et parce qu'on oublie. Mais il y a beaucoup de choses à explorer sur cette map. Ouais, ça, c'est vrai. Par contre, j'ai fait un sacré tour de carte, hein. Monsieur ? Crois-moi bien. Mais pour ça, il nous faut des explosifs, oui. Monsieur, vous êtes où ? Par ici. Regardez. Un, deux, trois, voilà. Excellent ! Excellent. Eh bien, figurez-vous, monsieur, que j'aurai le grand plaisir, à terme, d'agrandir vos poches. Vraiment, ça me fait plaisir. Des poches plus grandes. Bah, l'occasion pendant que ça. Alors, je te laisse produire bien sûr tranquillement tes trucs, hein, c'est absolument pas le problème. Mais pareil, à l'occasion, si tu as genre 200. Ouais, on peut continuer ici. Hein. Ah oui, mais on n'a pas 10 de Caterio. De mycélium. Ah, on a 9 non, mycélium. Mais... T'aurais pas un champi à disquer là-dedans hein, dans la flotte là. J'ai pas du mycélium sur moi. Je crois qu'on va devoir non j'ai pas mis de compteur. Attends, ceci dit je te dis ça mais il faut quoi d'autre. 5 et 100 cadres. Ah oui, je suis pas sûr non plus qu'on ait les 100 cadres modulars. Oh ça monsieur, je vous jure qu'on les a. Ah ouais, carrément, c'est on part sur un serment. Ouais. On est parti sur un serment tu les produis où? Du côté des plaques? C'était, ouais, côté plaque de fer, là, à plaque gauche, de fer en faux. À gauche, il y a une grosse usine, normalement, il y a des panneaux de bois. Ok... Pas trop ce que ça produit... Ah, bah voilà, oui, d'accord. Ok. On en a, non bah, très bien, oui, c'est Walid. Vous avez pas trop pris de risque en jurant, monsieur, hein. Ah, non, non, bah, j'étais plus ou moins sûr qu'on les avait, ouais. Non, non, donc non, on est toujours sur organisme extraterrestre. Qu'est-ce qu'il nous faut Il me faudrait un mycélium de plus idéalement et on est bon. Ok, le mycélium je peux l'avoir. Ça, je sors la tronçonneuse. Et ça, je vais chercher ça. Tu nous trouves un arbuste à... Mais merde, je me suis trompé de trucs. Un arbuste à dézinguer et on est bon. Bon du coup ouais. Je sais que la bauxite on n'a pas besoin de la garder, parce que moi du coup je suis allé plus loin. Je sais que la bauxite vous pouvez tout cramer quand vous en trouvez, hein, y a pas de soucis. Il est où notre super broyeur? Bah celui de base est là-bas au bout. Alors là-bas au bout. Ah, il était loin dans la montagne. Je sais pas si tu te rappelles. Ah oui. Oui je m'en rappelle. Et je t'ai dit, va le démonter. Tout démonter. Et tu m'as dit, il bouge à la trou de même le Caterium démonte tout. Si tu veux, je t'amène à l'autre mine de Caterium. D'ailleurs, je sais pas si on y est allé à l'autre mine de Caterium. Si je te l'ai montré. Bonne question. Pourquoi pas. Non, c'est un gisement de Caterium pur. Mais c'est à peu près dans la direction dans laquelle tu es. Si jamais tu veux qu'on y aille, si jamais t'as de quoi faire une mine V1 sur toi. Pas tout de suite. J'ai de quoi vous donner du mycélium. Ouais, super, je prends. Merci. Oh, il y a une chumasse, mycéliumasse. Ah tu vois cette tasse à café elle est trop bien. Incroyable. Meilleur étape du jeu. Elle est incroyable. Ouais du coup on a pas de super broyeur plus proche c'est ça. Ah ça faut vraiment que je monte dans la montagne là-bas pendant les 15 prochains jours. Non vous pouvez en crafter un. Une vidéo entière pour y aller, c'est parti, j'y vais à pied. Ah j'avais dit mais sinon vous pouvez en crafter un à la base. Mais non je peux pas en crafter un. Faut démonter l'autre qui sert à rien parce qu'on dira jamais. Ou alors est-ce que t'as un tapis qui va? Est-ce qu'il y a un tapis quand je mets dedans ça part au broyeur? Non. Si ça va être celui-là. Si c'est celui-là. Allez, bah j'espère que c'était celui-là. Hein. Si c'est pas ça, il va peut-être y avoir bouchon au bout. Hein. Peut-être y avoir des problèmes. Non mais il y a l'hyperloop sinon. L'hyperloop. Il suffit qu'on construise des hyperloops et puis après on pourra aller jusque là-bas. Ah ouais, si ça peut, hein, c'est pas problématique. Hein.
Non, non, mais moi je regarde ce que vous faites d'un air très passionné, monsieur, hein, vraiment. T'es dégueulasse. Sauvageon. Animal. Alors. Brut, barbare, je suis sûr que vous ne savez même pas lire. Je suis à peu près sûr que vous ne sachiez pas lire. Voilà. Le français. Non, mais cherche pas, tu peux rien faire ici, hein, tant qu'on n'aura pas envoyé. Tant qu'on n'aura pas envoyé le paquet. Il me semble qu'on n'aura pas le droit de faire mieux. Ah, ils ont refait le design du scanner d'objets. Bon, rigolo. Il me semble que. Dans 30 secondes, tu auras des poches gonflées. Oh oui. Parfait. Non, mais il me semble que. On rigole, mais il me semble que. J'avais fait relancer une production pour l'ascenseur. On va aller voir ça. Ça, c'est toi le patron, hein. Ah, je suis pas sûr, comme ça. Moi je suis juste un ingénieur bon char. Oh d'accord, ouais, alors ouais. Bon char quand on me le demande, c'est tout. Alors. Pocket. Le joueur a été amélioré. T'en sors combien par minute toi? 11. Et là-bas elle en sort combien par minute? Faudrait quoi? Ça prend une plaque 500 visas. Oh bon, tu prends ça quand même, mais pas sauvage. De la placasse. Je crois que tu placasses masse. Hein. Ah non, tu placasses pas masse en fait. Des plaques en quoi? En fer renforcé en fait. Tu stockes pas de placasse de ferrasse en fait, c'est pour ça. Bah si, chez ici, j'en stocke un peu. Oh mais t'inquiète, je vais taper sur ton autre machine. Laisse vite tranquillement dans le. Placasse modulaire. Ouais, dans l'autre, l'autre tranquillement là. Je vais récupérer tous ces biens, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je suis en train de saboter tes productions optimisées. Parfait. On va partir sur une bonne base, là. Ça, ça défile. Ouais. Après, ça m'en fait que 2 par minute et il m'en faut 500, bordel. Oh, ça défile pas assez vite, ça m'énerve. Bon, on va laisser comme ça 4 par minute. La plaque. La plaque là. Y'a plus de plaque. Y'a plus de plaque. Par ici. Pourquoi est-ce que je faisais ça? Il doit avoir une raison. Je n'ai pas fait ça sans raison. Alors. Pourquoi c'était X le bouton magique? Oh, que pensez vous? Tiens. Pourquoi il est bloqué là, lui? Discussion importante. Ah! Est-ce qu'on va pas parler de League of Legends? Non, on l'a déjà fait dans le dernier épisode. D'accord, bon, c'est une passion, on peut mal parler de League of Legends à n'importe quel moment. Mais vas-y, bon, je t'écoute. Je pensais pas mal parler de League of Legends cette fois-ci, mais alors. Vas-y, dis-moi tout. J'allais dire plutôt, qu'est-ce que vous pensez certainement du nouveau jeu que Zerator idolâtre? S'appelant Trackmania. Alors, nouveau jeu qui lui donne, ça fait un moment. Hein. Ouais, je sais. Depuis la Trackmania 4, ça fait un petit moment qu'il l'idolâtre, mais il idolâtre surtout le nouveau qui va sortir. Il le trouve très bien fait. Alors, je l'ai pas vu. Dommage. Donc, je sais pas bon mot dire parce que il faut que les gens sachent, même s'ils s'en doutent très probablement. Moi j'ai travaillé comme un sourd pendant le confinement, hein. C'est tout l'inverse des gens. Ce qui fait qu'en fait j'ai 3 mois de vidéos de retard à chaque fois. Là je suis sur 332 vidéos je crois de retard. Quoi de rattrapage. Donc voilà. 332 vidéos de Zerator de retard. Ah pas de Zerator tout court. Tout court. Non, sinon j'en prends un peu, c'est mignon à un moment donné. Ouais, j'allais dire monsieur, si vous. J'ai pas d'idée, mais je comprends en fait qu'il aime ce jeu. Je comprends pourquoi, parce qu'au début, je me suis posé un peu la même question. Pourquoi il a carrément monté une Trackmania sur ce jeu, quoi. Il a monté une compète sur ce jeu qui était pas mort,
mais qui avait sa communauté de niche, tu vois. Ah oui, 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 clairement. Et qui en plus de ça était, j'aurais dit, une communauté un peu élitiste. Genre, il y a quand même différentes façons de mapper, etc. Je rappelle que Zerator au départ était considéré comme un touriste en termes de mappage qui se rapporte au plumage. Et qu'aujourd'hui, c'est une référence du mapping sur Trackmania, quoi. Bon, hypocrisie du peuple, merci, des bisous. Non, je comprends en fait ce qu'il trouve à ce jeu, c'est-à-dire que réellement, ce jeu est très simple à prendre en main. Je veux dire, n'importe quel débilus arrive à prendre Trackmania en main. Oui. Il est relativement facile à maîtriser, mais et pour autant, tu peux atteindre des niveaux de tryhard dingue. Oui, clairement. Tu vois, c'est ce que j'appelle les jeux bien faits. Tu vois, c'est un peu, c'est un peu Trackmania. C'est un peu genre t'as 4 boutons, voilà, fin d'histoire. Facile à gérer, hein. T'as 4 boutons, tu joues avec 3-4 doigts, t'es bon, quoi. Tu peux tout jouer en même temps. Ouais. Voilà, tout simplement, quoi. Voilà, pour l'avoir essayé, c'était pas trop... Enfin, pour l'avoir essayé, non, pour y avoir quand même pas mal joué. J'y ai joué un peu, moi, pas masse des masses, parce qu'en fait, Trackmania, en fait, fait partie de ces jeux comme Rainbow Six Siege ou je ne sais quoi, qui exigent, je sais pas pourquoi, énormément d'attention de ma part, ou quoi qu'est-ce. Et en fait, je suis très fort sur la première game et après je vaux plus rien. Voilà. On va peut-être tirer qu'un coup dans le milieu, frère. D'accord. Ah bah, R6, première game, généralement, quand je suis un peu chaud, bah je suis meurtrier. Donc la game d'après, je vaux plus rien. Ça peut durer 2h, 3h, 4h. Ça reviendra pas. Hein. Oh, il fait pas tapitas. Oui, il faut bien que. Ouais. Mais tu ramènes ça d'où? C'est quoi? Tu ramènes ça d'où? Comment ça, je ramène ça d'où? Bah, il vient d'où ton tapis? Quel gisement? Ah, c'était 4 modules! Le fou! Le fou! Bah, j'en ai besoin pour la bambou, du coup. Ouais, pas de soucis. On va les déplacer, hein? Ouais, pas de problème. Ça va se faire. D'ailleurs, t'as vu? Oui, vas-y, je t'écoute. Pour la Trackmania Cup, l'année passée, j'aurais pu passer le premier tour si j'avais un coéquipier. Parce que vu qu'elle est en duo, ben. Ah oui. Bah, j'avais pas de pour la faire. Oui, ça c'est terrible, hein, mais. C'est ce que je trouve cool aussi dans ces compétitions de jeux vidéo d'ailleurs qu'il fait. C'est qu'il essaye de faire le plus possible du équipe versus équipe. Non, mais en fait, là, il y a un truc qui est bloqué dedans, là. Moi, je le vois bloqué et ça m'énerve. Mais cette année ce sera solo. Et du coup j'essaierai de passer le premier tour et je serai défendre. Ah, donc tu vas t'inscrire à la Trackmania Cup. Ouais, sûr. Ah bah j'ai mes 200 placas, moi je me tiens. Intéressant. Ah, ouais. Intéressant. Bah, nous pourrons tous suivre le hashtag Farinop. Hashtag Farinop. Espérons que pour une fois ce soit un Belge qui gagne et pas un Québécois. Non. Alors, le Québécois va... tu vas te prendre une branlée et au tapis, mon gars. Le Québécois va certainement encore gagner. Tu fais pas des Rotor Protor Megastator, non? Si. Tu fabriques ce genre de truc? Ouais. Ok. Tu fabriques des oscillateurs à cristal? Non. Monsieur, vous en portez trop. Oh, c'est faisable, hein. On a un autre Belge. Un autre ami belge très fort aussi. Au jeu vidéo. Oui, mais je sais plus c'est quoi son nom. C'est Scrappy. Non. Si, c'est Scrappy, je crois. Scrappy, jeune de 16 ans, hein. Monstrueux. Juste monstrueux. Et bien, sinon, ça m'intéresse. J'ai un pote qui passera certainement le deuxième tour. Ah! Et puis, il a dit, je crois que je passe le deuxième tour, et si je vais plus loin, et bah, c'est du bonus. Tiens. Ça. T'en fous plus de rotor. Bah, tu m'as demandé des rotors. Ah, alors non, je demandais des rotors pour Tor Stator. Mais Ah, c'était pas ça du coup. Alors, c'était pas exactement cette forme là. Il fallait que c'est la forme de. Un Stator. Ah, non, je fais pas le Stator pour le moment. Si tu retournes dans la zone, tu me dis, je te rends tes rotors, hein, du coup, parce que j'en ai un petit peu. Ouais, bah, vas-y, donne-moi.
Je fais pas encore de stacker. Mais je vais en faire. Et hop, attends, je suis en la moitié. Tac, je garde un stack de 50 sur 1 parce que j'ai vu qu'il y a des recherches qui en demandaient tout de même. Est-ce que je vais te poser cette mine? Parce que là, moi, tu me fais mal au cœur. J'ai envie de te poser cette mine de catharium là parce que tu vas me rendre malade. Pourquoi il y a du calcaire là-dedans? Tu vas arrêter de mettre n'importe quoi dans la. Je te déteste. Hein. Je pose tout moi. Tu vas ranger ta chambre, oui ou merde? Bah écoutez, monsieur. Tu vas ranger ta chambre, hein? Oui. Oui. Ah, d'accord, t'envoies. Ok, d'accord. Ah, oui, non, mais c'est conceptuel ta façon de travailler. T'envoies bah, strictement tout, mais oui, après on peut comprendre que tu envoies effectivement extrêmement tout mais. Pas de problème. Non, je suis pas dégoûté. Je me rappelle qu'effectivement on avait bricolé ça à partir d'une de mes idées passées, et passéistes. D'ailleurs, ce projet n'est pas tout à fait terminé, ce qui là me déçoit un petit peu de ta part d'ailleurs. Voilà. Je suis déçu. D'accord. Je suis choqué, déçuiné, sache-le. Sache-le, je suis dégoûté que tu n'aies pas terminé ici un entrepôt, un dépôt supplémentaire. Voilà. Un dépôt pourquoi? C'est des bugs visuels que je vois ou pas là? Oui, ça a l'air. Hein. Oui, ça a l'air. En fait, ta mine, là où je me trouve, actuellement, au pied de l'ascenseur orbital, on a une machine qui nous fabrique de la. Du biocarburant solide. Te rappelles-tu de cette machine? Non. Pas du tout. Et ben voilà. On a ça, nous? Et cette machine envoie tout directement au super broyeur. Puisque je te dis, c'est un bon moyen de feed de bifidus actif le super broyeur. Le souci étant que tu ne lui as pas mis de petit conteneur derrière lui branché à cette machine de manière à ce que si j'ai une tonnasse de biomasse à lui mettre, j'ai pas à attendre 8 jours pour pouvoir lui donner au fur et à mesure. C'est là en fait, si je peux pas lui mettre dans la machine, bah je peux pas le fidus quoi. Enfin, je suis obligé de me trimballer toute ma merde sur le dos quoi. Or, très peu pour moi, vous noterez. Donc, si à l'occasion, juste un petit conteneur, quoi que je peux peut-être le faire, j'ai quoi sur moi là. On va pouvoir faire ça. Il faut que je trouve. Ah oui, mais non, parce que moi les bâtonnets, faut que je m'en serve, mais pour autre chose. Petit bâtonnet. J'arrive et puis je fais une production de stator. Tu pourras m'emmener sans tige, s'il te plaît. Ah, oui. Donc, y est, parce que bon, ici il n'y a pas énormément de stockage. En fait, j'en serai une production de stator quand on aura fini avec les plaquages intelligents. Sinon, je vais encore devoir rechercher un gisement et tu vas pas être content. Mais tu vas arrêter de rechercher des gisements? Bah ouais, justement. On va s'arrêter là. Bah, et surtout que c'est inutile à souhait. Oui, clairement, mais c'est pas. Parce que pour faire tes stators, il te faut quoi? Du cuivrasse? T'as du cuivre? Je sais pas ce qu'il faut. Bah ouais, super, bon, on a du cuivre, hein, je crois. On a un gisement pur, hein. T'inquiète pas, vu ce qu'il vomit, t'as qu'à mettre des stockages au bout. Hein. Mets des gros stockages à chaque fois au bout de chaque ligne de production. Pour les fils, tu peux même en mettre un double. Pour les câbles, tu peux en mettre un double. Pour les tubas de cuivrasse, là, t'en mets juste un gros. Ah ouais, c'est des cuivres et des trucs comme ça. Voilà. Et tu mettras un gros derrière. Parce que. Là en fait tu cherches beaucoup de production etc. Parce que comme si tu voulais bosser en flux tendu tout le temps. Mais y a pas besoin. Y'a juste pas besoin. Tu surstock, regarde. Là tout à l'heure on était enfin tout à l'heure, il y a un moment de ça on était en galère de plaques de fer renforcées parce que je faisais mes usines de bon char. Maintenant que je les fais plus, je pense que t'as dû stocker un peu de plaques. Je pense que t'as pas besoin d'avoir un débit de dingue. Ouais, j'en ai stocké un peu, mais elles partent toutes dans une autre machine. Ah bon? Ah bah, les plaquages intelligents, ça se fait avec des plaques renforcées, quoi. D'ailleurs, j'en ai combien? Plus de 3 fois ça, et après, on peut finir un des trucs de l'ascension. Ah. Dans ces cas-là,
tu réduis un petit peu ta cadence ou tu augmentes avec des limaces parce que je crois qu'on en a, non? Oh, j'ai tapé des limaces dedans pour que ça aille plus vite. Ouais, c'est ça. Mais dans ces cas, tu lui mets un séparateur. Un séparateur. Et tu fais qu'il y a quand même une partie des plaques qui partent dans un contenant. Comme ça, on n'est jamais en galère. J'ai pas senti. T'as pas senti quelque part là? Non. T'es vraiment en flux tendu tout le temps là? Bah la seule production de tige. Non, en fait c'est juste que j'ai jamais fait de production de tige. Bah si, du coup elle est là où je suis. Et du coup il y a pas de stockage. Hein? Bah il y a une production de tige là où je me trouve et mais il y a pas de stockage. Là où vous êtes. Oui vous oui. Là où je suis. Là? Pose pas de questions. Ça c'est. Regarde, tu vas mettre un contenant derrière ça. D'accord. Ah, ça c'est une production de tijas. Ah oui, mais elle part dans le truc. Bah ouais, c'est ça. Tu en fait, t'as aucun stockage. Ce qui est dramatique. Ouais, c'est pas... Du coup, je vais être obligé de couper temporairement cette machine. C'est parce que, en fait, cette machine prend 12 et qu'elle me sort 12. Du coup, je pouvais pas mettre de stockage. Pas de soucis. Mais par contre, tu vois, je suis en train de me dire de l'autre côté. Si tu veux créer un peu de stockage. Là, j'ai l'impression que tu surproduis par exemple ici. Non mais je sais où je vais les mettre mes vis. Voyez le conteneur là-bas. Comment ça, c'est pas des vis qu'on parle, c'est des tiges. Non mais voyez le conteneur qui dépasse là-bas. Le conteneur qui dépasse. Là, derrière vous. Non, y a pas de conteneur derrière moi. Y a que des constructeurs. Derrière les dunes vers les montagnes. Y a un petit ouais, y aura sûrement. Ouais, d'accord, ok, y a sûrement un truc, ouais, donc oui. Mais peut-être. Où êtes-vous? On le voit d'ici, monsieur. Venez ici. Non, vous faites pas d'effort là. Là, vous me voyez? Regardez vers où je tape, là-bas. Je vois pas le monsieur. Là là-bas. Où tu tapes? Voilà. Ah, ok, là-bas, là-bas. Oui, oui, le gros truc là, ouais. Ouais, et bah ça, il est rempli de plaques. Je peux peut-être faire un peu de tige maintenant. Ah, de plaques? De plaques. Simple. Alors, et ici aussi, est-ce qu'on peut en discuter d'ici? Parce qu'en fait, tu fidus une machine droit devant moi là. En plaque, ah, ouais. Une seule de tes boîtes suffit à alimenter. Hein. Et le conteneur, il est déjà plein là, ici en plaque. Hein. Donc ouais, en plaque bah, de base là. Hein. Parce que je suppose que là-bas tu fais de la plaque V1. Ouais, là-bas c'est. Ouais, ouais, donc on va peut-être se caler. Hein. Je pense que tu peux te faire des tiges et te faire un séparateur qui va rejoindre. Bah, un séparateur qui va. Non, mais pas un séparateur, directement dans un contenant. On en parle plus. Voilà. Direct dans un contenant. Et il n'y a plus de problème. Bon, voilà, parce que là l'usine du milieu là. Ah si, elles tournent hein, quand même les deux usines. Hein. Mais est-ce qu'elles ont vraiment besoin de tourner toutes les deux à fond? 20 par minute, 20 par minute. 20 pièces. Touc. Et toi, t'en consommes. 30 plaques, c'est ça. Donc on a 10 placasses de rabasse actuellement. Ce qui veut dire qu'avec soit en réduisant la production des plaques de fer renforcées, je vois pas l'intérêt. Ah quoi que si, je vois l'intérêt. Si je vois l'intérêt en fait, je vois complètement l'intérêt. Mais on va pas faire ça sinon tu vas péter un plomb. Mais juste en boostant un petit peu la production d'une seule de tes constructeurs, on peut récupérer l'autre en tige. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont possibles hein, puisque. Non mais vous inquiétez pas, là les tiges vont tourner, hein, ça va aller vite. Hein. Moi je crois en vous monsieur, sachez-le. Nous avons le pistolet à barre d'armature monsieur. Sachez-le, ça me fait grand plaisir. Maintenant j'aimerais bien faire la recherche de l'armature tout court, mais est-ce que j'achète des tijas? J'imagine que tout ça, ça va au super broyeur. Si ça n'y va pas, tant pis. Ah t'as rallumé la machine? Je vais te buter. Il l'a rallumé, je vais te buter hein. J'ai pas rien rallumé du tout monsieur. Si. Rien touché. Si. T'as rallumé la machine à cadre modular? Non, pas du tout. Ouais. Je vais te éclater. Vous l'avez pas éteint et c'est ma faute, c'est ça? C'est ça qui se passe, monsieur? Ou alors je l'ai éteint et rallumé. C'est possible aussi. Hein. Je suis un très vieux monsieur. Ah, et du coup, ça va. Ouais, non, mais ça va, ça. Caterium, tubasse de cuivrasse. Je vais aller chercher tout ça. On a du caterium qui arrive ici ou jamais en fait? Vous avez du caterium, non. Jamais. Hein. Du caterium qui vient là-bas. Attendez, monsieur, vous vous entendez parler? Oui, tout à fait. Je demande à ce que les ressources arrivent au QG. Parce que
Mais bon, après, je vois que ma demande est un peu exotique, visiblement. Clairement. Clairement. Clairement, il dit des très étranges. Vous avez qu'à marcher. T'as pas mal de plaquages intelligents là déjà. Je sais pas si t'as complété l'objet, mais tu dois pas être loin. Il y en a 250 et là-dedans il doit en avoir 120. Donc, je crois qu'il me fallait une centaine de tubasses de cuivrasse. Ouais, venez sur moi. Je vais en prendre 200, c'est Osef. Là-dedans il y a des choses à prendre. Oh, ouais, tu sais quoi, je vais reprendre 2000. Enfin, ça va me servir, ça je le sais. Tiens, je t'en rends. Avec plaisir. Je vais en prendre 2000, on sait jamais, ça va servir. Ah! Je veux bien les carapaces extraterrestres hein, quand tu tues les monstres. Hein. Je me cogne dans des trucs non, et je fais. Mais attends, il y a une carapace extraterrestre. Tenez, monsieur. Je vais avoir du Caterium. Caterium, s'il vous plaît. T'es où? Ah oui. Merci. Est-ce que je peux avoir du Caterium, s'il vous plaît? Vous voyez le super broyeur, monsieur? Pas du tout, monsieur. Bonne journée, démerdez-vous. Je sais pas ce que c'est comme machine d'ailleurs. Ouais, bah voilà. Son fonctionnement, tout ça. Désolé, je sais pas. C'est moi qui vais devoir aller jusque là-bas. Bah, c'est toi qui allais décider de laisser ton super broyeur là-bas. Moi, j'ai envie de te dire, vide tes poches, vas-y, démonte tout. Ramène-moi super broyeur par ici, ça sera moins loin. Et en plus, on ira te poser la nouvelle mine de Caterium. Voilà, ça sera bien. Ça sera bien. Ouais. Bah, se la faire, et en plus, ça sera un gisement pur. Tu vas kiffer. Ça fait plaisir. Attendez. Ouais, je vois tellement de bugs. I can see bug forever. Quoi? Qu'est-il? Ah oui, c'est juste que ça bouge genre vraiment pas. Tiens, vas-y, prends ça, ça me fait plaisir. Je vais aller chercher. Là, j'ai une recherche encore là. Oh, tout est bugué, hein. Il n'y a plus un qui marche. Ah oui, mais j'ai pas de Caterium, pas de Caterium. Hein. Je peux rien faire sans Caterium. Hein. Si. Tu passes en acier, on n'a pas. Les oscillateurs, tu produis pas. Moi je les ai tous fait à la main, mais là si je les fais à la main, merde. En plus je crois qu'on n'a pas assez de quartz en réserve. Ouais, va falloir commencer à faire des raids commando sur les zones où on peut faire... Oui bah attendez, là je vais déjà aller chercher... Non, pas tous, pas tous, si, je parle juste de l'avenir. Pas d'embrouille. Va falloir commencer à raider les vrais, je pense, les vrais trucs quoi. Ça j'en ai un trop, c'est pas nécessaire. Ça je garde, je sais qu'un jour ou l'autre je vais en avoir besoin. L'autre je pourrais le transformer ou le mettre dans le stockage. Ça part au stock. Ça part au stock ou de stock. Et t'as fait un hyper tubasse là-bas? Non. Ah donc t'es bien en train de galérer à pied, c'est ça? Oui. Ça me fait grand plaisir d'entendre ça. Ça me fait un immense plaisir. Que je ne dissimule pas du tout. Est-ce que tu es en train de regretter tes choix? Non, moi ça ne me dérange pas de courir jusque là-bas. Super. Il va falloir courir quand même trop souvent parce que. J'ai vraiment pas envie de me déplacer. J'ai vraiment pas envie de déplacer mon super broyeur. Ah bon, bah le déplace pas alors. Je trouve très bien là-bas. Oh bah déplace pas ton Caterium non plus. Moi si ça te va, tu sais, je veux pas. Moi je veux pas te perturber, tu sais. Je veux que tu profites de ta life. Hop, 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 hop. Va falloir commencer à songer aux productions suivantes pour le coup. Parce que tu fais pas encore de stator, m'as-tu dit? Non, j'attends que les plaquages d'intelligence finissent et puis après je suis de stator. Ok, tu switches de. Ouais, okay. Je suis. Pas plus rapide. Ouais, surtout que t'en auras plus jamais besoin donc. On peut y aller. Bah, je crois que t'en auras plus jamais besoin. Il vous faut combien de Caterium? Bah là, étant donné qu'il me reste pas mal de recherches en Caterium, si tu peux en prendre, je sais pas, moi, 3000, 5000, 10000, remplis-toi quoi. Remplis-toi, va poser ça dans le coffre de la base. Bah oui, mais comme ça, ça t'évitera de faire des allers-retours. Je te dis juste, prends tout et puis voilà. Après, si tu veux être précis, il m'en faut juste 200. En fait, le super broyeur est chargé en V2. C'est-à-dire? Et du coup, le Caterium va plus vite dans le broyeur que tu ne le stockes. Qu'est-ce que je stocke? Voilà, parce que t'es un génie, évidemment. Bah non, le Caterium sert à rien. Ah si, bah si en fait.
Mais bon. Ça sert aux recherches et aux poteaux V2, mais au-delà de ça. Bah oui, j'ai pas fait toutes les recherches et les poteaux V2. Et non, tu oublies que tout ce qui va être informatique, les cartes les cartes un peu avancées, tu sais, les cartes informatiques un peu avancées vont consommer du catharium. Hein. Et beaucoup de catharium. Tu es sûr de ça, moi? Ouais, je sais que quand j'ai fait la dernière fois, c'était la dernière recherche que je faisais, il me fallait des super calculateurs ou un truc comme ça. J'ai sucé du catharium, bon, beaucoup, j'en ai dû en sucer 2000. Ce qui, évidemment, la vitesse de production du catharium n'est rien du tout. Mais voilà. Bon, et eh bien, hop. Suffice. On sent la dépression d'un homme. Yes. Bon, bah écoute, hein, si c'est comme ça, hein, moi je vais continuer à étaler ma base. Hein. Parce que j'ai pas de quoi travailler, c'est ça là? Ouais, c'est ça, j'ai pas de quoi travailler, hein. C'est vraiment. Et puis vous allez faire plaisir de me passer quelques tickets au magasin là, parce que c'est quoi ces conneries, hein, s'il vous plaît. Hein. Ah, des tickets. Parlons-en de ça. Je viens d'aller voir le super broyeur, il en avait même pas fait. Hein. Ouais, je vais vous inverser. Je vais mettre deux portas comme ça. Voilà. Et dites-moi combien il vous faut de tickets. Ouais, bonne nuit monsieur, hein. Désolé de vous avoir dérangé, hein, vraiment. Ah, bah écoutez, dites-moi combien il vous faut de tickets et puis après. Bah je sais pas. Est-ce que déjà t'as un magasin là-bas avec toi? Non. Est-ce qu'on a un magasin? Parce que si on a pas de magasin, je peux pas te dire combien il me faut de tickets. Si, on en a un parce que je suis un génie. N'oublie jamais que je suis un génie, petit homme. Ça se peut, c'est moi qui l'ai posé. Non, c'est moi qui l'ai. Clairement, c'est moi qui l'ai posé. Clairement, quand tu vois comment c'est posé, tu sais que c'est moi qui l'ai posé là où il est. Non, rien. Alors j'ajoute au panier tout ce qu'il faut. Hein. Je vais te dire, je fais mes courses là, il n'y a pas d'urgence immédiate. Ouais, ah si, je vais prendre celui-là. Je vais prendre ça, c'est sympa. Voilà, les fondations. Alors les fondations, il faut cela, c'est vital. Arrêtez de foutre. Véhicule, on s'en fout. Passerelle, s'il te plaît. Les statues, pas tout de suite, c'est plutôt même en dernier. Et voilà, j'ai mes 5 articles, il y en a pour 18 tickets minimum. T'en as combien? Bonne nuit, hein. Désolé de t'avoir dérangé, vraiment. Vraiment, ça nous embête. Hein. J'ai pas ça. Non, j'ai pas ça. Comment ça? Comment ça? J'en ai 5. Quoi? Bah, je veux bien les 5. Hein. Alors, ici, je vais poser des trucs, mais je sais pas s'il y a de la nature en fait. Mais vous êtes où, monsieur? Je vais poser ça là-dessus. Hein. Je suis en train de me chemasse à grandir la basasse. Boum. On verra plus un grain de sable sur des kilomètres, crois-moi bien. Béton à perte de vue. Car c'est notre projet, évidemment. Oui, bonjour. Oui, tout à fait, ça. Bonsoir. Hein, je vois vous TP, monsieur, c'est inquiétant. Ça. Oui. Là, le parterre. Ah, merci, vous êtes bien aimable. Et du coup, mon catharium oui. Le catharium en fait, il est où? Ça nous intéresse déjà énormément, les gens ça les intéresse. Déjà que tu vas avoir un problème à un moment. C'est que... Bah en fait, vous voyez tout ce que vous foutez dans là. Ouais, je pas fini, hein, c'est incroyable. Hein. Et là, hein. Bon, et du coup, je disais, voyez toutes les merdes que vous foutez dans tout ça, au super broyeur. Oui. Alors, mais merde, est-ce qu'on peut parler du mec qui a mis une écrasante majorité de plaques V1 et c'est pas moi qui les ai mises? Ouais, bah il fallait bien les mettre, hein. D'accord, très bien. Voilà. Oui, sinon, donc nos merdes. Vos merdes, oui, c'est ça que... Comment ça, vous? C'est toi le veau. Oui, non, mais, donc c'est quoi le problème avec tes merdes? Eh bah, tout ça là. Oui. Eh ben j'ai pas d'endroit où les foutre. Ah mais ça c'est vous, c'est à vous d'aller vous faire foutre, j'ai envie de dire. C'est pas un problème. Alors soit je dévie alors, de ta fille. Alors soit de la base, alors, la base, alors puisque nous sommes en train de souhaiter et que nous souhaitons, ce que nous pourrions faire c'est déjà placer un super broyeur ailleurs. Tout simplement. Avant de démanteler l'autre. Comme ça on raccorde le débit actuel, genre t'enlèves le tapis qui débite là actuellement, et on le raccorde au nouveau super broyeur. Non, moi ce que je vous dis c'est là vous mettez plus rien dans ce container là, je broie tout,
Sauf le caterium qui est ici, et puis après je vous ramène du caterium. Ok. Je sais pas si là où je suis en train de poser des blocs c'est rasé, parce que moi je vois beaucoup de forêt. Hein. L'idée de si c'est rasé ça. Regardez ça si j'y vais là. Ah non, c'est pas rasé du tout. Pas du tout, du tout. Ok, fort intéressant. Il y a un moment où vous m'avez demandé de raser un endroit et pas toute la map. Hein. Ouais, non, pas de soucis, map, hein, mais bon, à un moment donné, il va falloir tout raser puisque sinon c'est de la biomasse qu'on récupère pas quoi. Parce qu'en fait, je suis en train de la bétonner la biomasse. Genre cet arbre, il existe vraiment ou pas là? Ah oui, il existe. Ah oui, 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 il existe. On a un petit souci là. Alors, on va arrêter la base ici, hein. On n'ira pas plus loin pour l'instant puisque je. Je crois qu'en réalité t'as un petit amour pour la nature, ça t'embête de la détruire. Je le pressens en moi, tu vois. Non. Je vois, ouais. Ami de la nature, On m'a dit, ne détruis pas toute la map. On m'a dit, détruis tout ce qu'il y a autour du lac. Oui, alors on c'est un con, hein, voilà. On ça ne veut rien dire, c'est indéfini. C'est pour éviter seuls que... les faibles utilisent le on. C'est pour éviter qu'un trou du cul prenne mal, mais je parlais bien de vous. AMS, conjonction de coordination qui marque une opposition. Ah oui, j'ai rien. Putain, j'ai aucune ressource quoi, je suis deg. Il vous faut quoi? Non mais je parle de ressources de construction. Faites-toi pas. Te fais pas mal aux côtes. Je vais payer ça tout de suite hein. Voilà. Hop là. Ça m'a saoulé. Et ça du coup je peux me le payer ou pas? Ah. C'est bon. Je sais pas ce qu'il faut. Hop. Très joli. Ah oui, du coup il y a tout cela à refaire, c'est ça? Ils sont combien que je dois refaire? On a les 4, il faut les refaire. Et hop. Et je me verrai bien. Ah oui, mais non, pas de porte ici, sinon il faut que je vire ça. Bon, en même temps, lui je peux le virer puisque du coup. Et voilà, ça part au stockage. Là, il y en a 300. Voilà, ça a l'air extrêmement compliqué pour vous, monsieur, aujourd'hui. Hein. Ah ouais, là, aujourd'hui, c'est fou, hein. C'est en le mec. Heureusement qu'on n'a pas lancé un jeu e-sport, hein, parce que là, on l'avait perdu. Hein. Oula, oh, bah, c'est pas vrai. Heureusement que Satisfactory, c'est pas très e-sport. Ah non. Oh, il m'a fait sursauter le corbac, putain. Le jeu m'a fait pop un corbac sous les yeux. Je vous dis quoi? Le truc qui s'envolait sous mes yeux, ça m'a fait un AVC. Alors je suis trop vieux, moi, pour ces conneries. Hop là. Là. Presque sûr d'une chose, c'est que s'il y avait eu JDR aujourd'hui, le matin n'aurait pas été performant pour moi. Ah, ça aurait été compliqué ce que je vois. Ah, il y a des journées avec, il y a des jours sans, mon petit. Hein. C'est ça la vie. Hein. Et ils en sont comment eux d'ailleurs? Oh, ils en sont bien, monsieur, ils en sont bien. Une surprenante nouvelle, hein, fort intéressante. Alors, figure-toi que je pourrais te faire une place pour le super broyeur dans mon usine actuelle. Est-ce que tu veux placer un super broyeur dans l'usine? Vous attendrez que toutes les plaques, que toutes mes merdes, comme diriez-vous, comme vous direz alors que c'est les vôtres, soient supprimées. Aucun problème, aucun problème. Peut-être même lui mettre du V2 à la limite pour qu'il aille plus vite. Hein. Mais c'est déjà du V2. Ah mais t'es là-bas. Et là t'attends que ça mange toutes les plaques. Voilà, ça va les manger un peu plus vite hein. Ça va les manger un peu plus vite, voilà. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule moi ici. Non mais c'est toi qui te fous de ma gueule. Tout fiche ma gueule là. Tu tout fiche ma gueule comme ça. Attends, alors... Et là tout te fiche comment ma gueule maintenant? Alors, il est où? Vous, monsieur, là. Vous, là, monsieur, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Attends, t'as encore du courant sur tes machines, là? Normalement. peut-être plus. Parce que j'ai pas entendu les machines plantées, là. Non, mais comment ça se fait? Ah, alors ça, ça a l'air d'être de la magie, hein. Noir, hein, parce que... À moins qu'on ait une autre source d'alimentation actuelle que le charbon que tu vas cacher quelque part. Non, le mec a fait ses propres mines de charbon tellement je produisais pas assez. Non, ça avait les murs plantés. Oh non, non, c'est pas cette couleur là qu'il faut. Ça c'est laid.
Ah, c'est mes 500 fils de Caterium, très bien, intéressant. Je vais te remettre des poteaux électriques, hein, calme-toi, reste cool. Ah oui, j'ai plus assez de tiges pour lancer ça comme recherche. Mais je voulais lancer ça, donc je vais lancer ça. Ça va te prendre 3 secondes et on aura les limitateurs d'IA. Voilà. Ce qui va débloquer le connecteur à haute vitesse qui consomme du caterium. Et beaucoup de caterium. Connecteurs à haute vitesse qui sont nécessaires pour faire des ordinateurs. Ah bon ? Ordinateurs qui sont nécessaires pour avancer dans le jeu. Voilà. Ouais, il m'en faut, ouais, il m'en faut 25. Voilà. Et du coup, j'accepte de relancer cette machine. Elle est relancée, c'est formidable. Ça marche trop bien le jeu vidéo. Pistolet à barre d'armature, c'est lancé. Et bah parfait. Ah, c'est déjà terminé d'ailleurs. Barre à pointe, c'est fait. New recipe unlocked. Ah super. Mycélium, on a tout débloqué, hein. Franchement, là-dessus on a tryhard. On a toujours pas d'acier, on est toujours des paysans. Tu ne fabriques toujours rien. Après, il faut que tu te mettes à fabriquer des usines parce que sinon, ça va pas être faisable. On a de la si c'est faisable parce que moi j'ai tout fait à la main, mais. On a de l'acier en masse, monsieur. Mais la flemme. De quoi, hein? On a de l'acier en masse. On a de l'acier en masse. Hein? L'acier. De l'acier. Ah, on a de la. On a masse acier? Bah oui. Attends, où est-ce qu'on produit de l'acier? Ah oui, là-bas! Mais à l'usine, tu produis de la poudre aussi, non? Quoi? De la poudre, non. Ah, il va falloir que tu mettes à produire de la poudre et des balises là-bas. Et des balises? Pourquoi des balises? Pourquoi des balises? Parce qu'après il faudra qu'on fabrique des munitions et ça consomme entre autres des balises et du caoutchouc. Ah ouais, moi j'ai une usine à munitions de mon côté, hein. Tu rêves, hein, mon gars. Ah moi dès qu'on va avoir le fusil, je vais tirer comme l'Arkansas de ma gueule. Hein. Faut pas le savoir, moi. Y a pas de peut-être on librairera les gens. C'est l'Arkansas pour rien. J'ai plus de vis. Bah c'est parce qu'en fait j'ai plus de vis donc y'aura pas d'électricité jusqu'à que j'ai des vis. Et j'attends comme un feignant qu'on me les rapporte. Enfin, on se fout de ma gueule de nouveau ici. Bon. Je crois que ça tourne mal. 2, 3, 4, normalement on est bon. Ça arrive, hein. Ça arrive incessamment sous coup de nœud. Ouais, non, mais vous m'avez demandé des vis, hein. Non, mais c'est bon, ça arrive. Non, vous êtes conscient de ce que vous venez de faire. Mais attends, il arrive là. Non, vous êtes conscient de ce que vous venez de faire, hein. Je vous avais demandé des vis, hein. Maintenant, vous allez vous les manger, vos vis. Non, je crois pas, non. Et y'a pas de même MMR, hein. Vous allez les prendre vos vis. T'es au courant que tes machines elles viennent de repartir là tellement t'es lent en fait. Elles seront posées dans votre petit coffre à la base si vous ne les prenez pas. Donc je vais m'énerver, c'est ça le projet quoi. Le projet c'est que je m'énerve. Ah bah vu le nombre que j'ai c'est vraiment ça. Vu le nombre que j'ai ramené de vis, probablement. Alors, voilà. On va raccorder lui à de lui. Sauf que je peux pas le raccorder parce qu'il y a trop de choses. Allez hop, ça tombe. Fini. Finitos zeros. Voilà. Ça marche alors. Plus. Ok, ça, du coup. Toujours pas le brancher là, pourquoi? Mais parce qu'il y a toujours 4 connexions. T'es branché à qui? T'es branché sur une vulgaire machine. J'aurais tout vu. 69. No power. No power. Ça c'est vous, ça regarde monsieur ça. Hein. Pas de puissance. Quel pas poteau de puissance vous... Où ça pas de comment puissance. Ça vous avez débranché des poteaux? Comment ça j'ai débranché des poteaux? C'est pas vrai monsieur, j'ai supprimé des poteaux, ça n'a rien à voir. Je vois pas de quoi si vous parlez. Faites... Pourquoi mes machines cette merde cosmique qui m'énerve là. Moi ça. Pourquoi mes machines? Quelle vulgarité. Voilà. Et j'en ai besoin. Oui, bah je sais, bah ça arrive. Poteau V2. Ah mais oh moins de merdier. On s'en fout d'une de ses forces. Et bien maintenant non. Donc maintenant on va raccorder ça. Et t'as besoin de... Non, t'as pas besoin d'autres raccords à la con là. Si. Ouais, j'ai besoin de cadres modulaires. Celui-là, il y a besoin de le rebrancher. Ouais, il y a besoin visiblement. Ok. Je rebranche tes machines.
Ça arrive, ça arrive. On est à 4, 5, 6. Ok. Ici, tu vas devoir prendre tes propres trucs. Donc, il faut un potal. Ah, ben non! Faut juste passer celui-là en V2. Il m'en faut 500, j'en ai même pas 100. Ah, ça arrive, ça arrive, ça arrive. C'est parti, les cadres modulaires, ça retourne. Ça me dégoûte. Normalement, j'ai pas besoin de plus. Hein. Ah ouais, j'ai pas besoin de plus. Hop. Je les ai raccordés ensemble. Ils sont raccordés ensemble. Bien. Hop. Il me reste combien de connexions? Il m'en reste 3 dessus. J'aurais pas assez. Et il faudrait que la dernière soit également sur sur un autre pylône. Ah mais ça c'est un poteau de merde. Ce n'est plus un poteau de merde. Ça fait grandement plaisir. Donc toi t'es en connexion max? Non il t'en reste une, c'est ça. Il t'en reste une qu'on va aller plantouiller, plantaouiller, genre par ici. Très bien. Ben voilà, très joli. Très joli. Ah, ici on adore la Knarf en production. On trouve ça technologiquement plus intéressant. Alors on peut toujours pas faire le Nobelisque, c'est ma grande question. C'est quoi le Nobelisque? Est-ce qu'on a des tubes en acier? On a ça non? Puisque tu produis masse acier tu m'as dit. Oui, là où il y avait des plaques. Où aurais-tu osé me mentir? Est-ce qu'on produit du béton armé? C'est ça le catérium là? Oh. Est-ce que vous produisez du béton armé monsieur? Ouais. Très bien. Est-ce que je peux faire 5 ou 6, ça on peut en faire quelques-uns. Il faudrait des balises qu'on fabrique vite fait sur moi. Qu'est-ce qu'il y a manqué? Des tijasses, ok très bien. Moultas tijasses. Est-ce qu'on peut récupérer Moultas tijasses s'il vous plaît? Voilà très bien. Il en 36. Il est moi. Allez. Il vous en faut combien du armé, béton armé? Juste 10. Juste 10 une fois, ça va. De 10 une fois ça devrait se trouver. Et il va manquer de la visasse. Visage, j'ai vu qu'il y avait un truc qui produisait de la visasse là. Il y a un container rempli de visasse. Ah non, mais paf, regardez dans votre petit coffre. Non mais regardez dans votre petit coffre de base. M'en fous moi, c'est pas mon problème ça. Ça c'est vraiment. D'accord. Vraiment ça me regarde pas. Il faut que je produise plus de balises. Ok. C'est gourmand hein. Vous êtes sûr de ne pas vouloir regarder dans votre petit coffre Ultérieurement. Je travaille, monsieur. Moi. J'ai. Nous n'avons j'ai. Putain, maintenant il me faut du câble. Au secours. Maintenant il faut du câble. Faudra pas se plaindre après parce qu'on a des vies. J'ai pris la poudre à canon. J'ai pas de câble. Les câbles, je peux les fabriquer. J'avais pris assez. Deux matos sur moi. Les câbles, je peux vous les amener. Trop tard, hein, c'est déjà fait. C'est déjà terminé, hein, vraiment, voilà, c'est pas assez rapide, hein, c'est déprimant. Ouais, avec toi, je Hop. Mais 10 béton armés, je les ai pas. Hein. Par contre, on les veut bien ici. Hein. Je trouve. Je peux pas aller plus vite que le jeu. Pourquoi t'as acheté une tonne de visasse là-dedans? Ça sert à rien. Bah ici monsieur, dans la base il y a du béton armé. Attends, je suis obligé de faire du rangement parce que dès que je tourne le dos ça tient le bordel en fait. Tiens, ça là-dedans. Ah. Alors, sachant qu'il en produit 4 par minute, on peut aller voir combien il en a déjà produit. Il en faut 70, ça veut dire.
4 fois. Ça fait 10 minutes. Ok, ça dans 3 minutes, on a le détonateur du Nobélisque. C'est déjà ça. Pour le Nobélisque, il va me manquer 55 poudres à canon et 100 tubes en acier. Est-ce qu'on peut les avoir? Et on va pouvoir commencer à exploser tous les cailloux, et c'est-à-dire récupérer de la limace. Masse limace. Vous voulez quoi et quoi? 100 tubes en acier et 55 poudres à canon. Ça se fait avec quoi la poudre? On est sérieux là? Charbon soufre. C'est pour ça d'ailleurs à la base que votre usine est là-bas. Parce qu'on avait une mine de soufre hein, pas trop loin normalement. Je rappelle en hauteur, normalement on a dû la tirer. On l'a tiré cette mine de soufre ou pas? Non. Non, on a pas de soufre qui vient? Non. Bah on va aller chercher le soufre. C'est parti. Prends de quoi faire un gisement. Une mine. Là tu cours contre un mur, Débilus. Non. Ah bon, je te vois courir contre un mur. Trop intéressant. Ah c'est le bug hein. La c'est la connexion Belgique, c'est pas ouf. Sauvegarder. Ah, je suis pas sûr que ce soit ma connexion pour le coup. Ah, tout de suite ça vient du jeu. Ça c'est beau ça. Non, ça viendrait plutôt de la vôtre. Alors ça, ça m'étonnerait bien ça. Ça c'est toujours la faute du PC client, hein. C'est quand même. Oula, petit freeze. Petit freeze. Ça vient de la sauvegarde. Ok. Oh, j'ai de la tigeasse pour vous. Ah non mais moi je suis déjà parti chercher ton gisement à la con là en fait, hein, c'est ça que t'as pas compris. Je suis en acier, pas de la tige de fer. Allez, gisement de soufre là, vite. Bah tube en acier j'ai dit en fait. Ou tige en acier, peu importe ce que j'ai dit, mais enfin acier quoi. Acier c'est pas plastique. Non non. Je me rappelle qu'il y a un léger enfoncement normalement par ici. Dans lequel. Oh, ça rabote là, ça frisote un peu, non? Oui, peut-être. J'ai cru. J'ai cru pendant un instant que ça frisaille. Ok, ah, pardon. Micro-freeze. J'ai du micro-freeze, ouais. Là, on va me demander où est le téléphone qui ne m'appartient pas maintenant. Non, mais... Fort intéressant, monsieur. Je suis devin, moi, maintenant. C'est ça qu'on me demandait. Vous êtes où là? Ah je vois là, je vois un handicapé courir là-bas, ça doit être lui. Ça doit être le mien celui-là d'handicapé. Oh il est gros celui-là. Qu'il meurt? Il est mort. T'as récupéré de quoi faire une foreuse V1? Monsieur, arrêtez de courir. T'as récupéré de quoi faire une foreuse V1? Oui, regardez. V1? Vous voulez pas une V2 plutôt? Ou une V2, ce que je m'en fous, mais enfin, moi je m'en cogne. Hein, je m'en cogne, voilà. C'est pour le soufre. Et en vrai, une V1 suffisait largement. On n'aura pas une consommation de soufre dingue au départ. Pas de quoi faire de la V2. Alors. Monsieur, tu veux la ramener toi? Tu veux qu'on se frite? Comment je vais pour me le friter celui-là? Il faut passer par là, ouais. Bon, on va se le friter. On va se friter un gros. J'espère que t'es chaud, hein. Voilà. Bon, t'arrives ou pas là? Faut que je te pousse. Ah, y'a du soufre un peu ici. Tu vas où là? Ah, c'était là-bas. J'arrive. Tibius, moi je regardais juste le mini gisement de soufre. En contrebas, mais. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'ici on voit d'autres limaces. On voit qu'il y a une limace genre là-bas. Penchée sur une paroi. C'est intéressant. Donc là, c'est pour une violette limace. Hein. Allô? Il n'arrive pas. Mais vous débrouillez là. Ah, je vois ça. Hein. On n'a pas trop le choix. Hein. Ouais, c'est moi qu'on envoie au casse-pipe de toute façon. Non mais j'arrive, j'étais juste en train de me fidas Zéléodidas. Il est mouru.
Je vous les laisse, elle est à vous. Vous avez pris les tuyaux en acier que j'ai ramené? Oui, tout à fait. Bonne nuit, monsieur. Vraiment désolé de vous déranger. Je récupère un peu de soufre parce que je sens que je vais être obligé de fabriquer un peu de poudre à canon à la main. Moi je vais pas vous mentir. Tac. Ah, j'ai entendu une bête. Ouais, vous savez qu'on peut rebondir sur ces bêtes. Oui, le gros gros, ouais. Plus tu rebondis dessus, plus tu vas haut. Tout de même incroyable. Formidable, la nature est bien faite. Moi, je vais m'arrêter ici avant de mourir. Comment ça? Comment ça? J'étais en train de sauter dessus. Mais... Le problème, c'est que j'ai perdu le début de mon histoire là. Bah, vous cherchez du soufre, gisement de soufre par ici. Ouais, mais je n'ai plus le chemin d'accès. Il y a un chemin d'accès très très simple. Mais vu que je suis en train de rabasser tout ce qui traîne dans le coin, dont du catharium, parce que. Et voilà, parce qu'il y a une limace ici. Hop là, qui était sous-tourné depuis what, 1000 ans et jamais tu l'as prise quoi. Du coup, je vais être obligé de la prendre. Et blabla, et blabla, moi c'est tout ce que j'entends. J'entends que des blabla de rageux. Ok, y'a pas de soucis, une masse verte dans la popoche. Excellent. Un peu de catharium par là. De toute façon, on aura besoin d'une manière ou d'une autre au départ. Ok. Donc théoriquement, si t'as de quoi faire une V2, c'est que t'as de quoi faire 2 V1, non? Sur toi. Je vous ai dit que j'avais pas de coffre de... Non, qu'on ne m'écoute pas. J'ai pas compris. Ouais, non, on t'écoute pas. Non, non, on m'écoute pas. Qu'est-ce que tu racontais? Alors, je peux pas passer par là parce que c'est thermoradioactif. Du coup, je vais être obligé de passer par là. Je n'ai pas de quoi faire du V2. D'accord, donc que de faire du V1. Ok, très bien. Mais une ou deux V1 sur toi? J'ai plus bien moyen d'en faire deux, ça passe pas. Alors c'est presque là que je rentre habituellement. Ça va être encore un peu plus sur le côté, je crois. Oh, où est votre la limace Jonas. Ah, il est encore par là. Ah mais il est là-haut. T'as trouvé le gisement? Oui. Excellent. Je sais pas comment je vais l'atteindre encore, mais je le trouve. Béton. Moi j'ai fait un escalier en béton. Hein. Oh mec, escalier en béton. J'ai vu ça, j'ai fait de toute façon, le jour où je veux changer la foreuse V1 en V2, autant me faire un escalier propre, comme ça plus jamais je me prends la tête. Donc je te conseille de te faire un petit esca. Esca propre. Il va de base en haut. Bon, j'ai pas de béton moi. Moi j'en ai plein. Bah. Rejoignez-moi. Je suis en train de me battre contre les créatures infernales qui vivent sur cette planète. Je suis en train de récupérer moult gisements. Parce qu'en fait, je suis un peu en mode explo aussi. J'en profite, j'explore, je clean un peu la zone. Ça c'est une zone à nobelisque, hein. Ça faut venir avec des nob-nob, on déploie tout. Tous les raccourcis, on se régale. Ah, je vous vois, monsieur. Je vous vois détruire la nature. Le monstre. Oui, bon, bah on lui a pas demandé d'être là aussi, la nature. Hein. Bon, on lui a demandé quoi? On lui a demandé de faire du charbon, c'est tout ce qu'on lui a demandé. Hein. Le reste, c'est du superflu. Hein. On lui a demandé autre chose, nous. Non? Rien. Bon, alors elle se casse et va se faire foutre. Voilà. Petite limace. Là vous partez à l'opposé de moi. Oui, mais il y a limace. Masse limace. Oh ça va l'air. Faut que je saute sur le gros. Eh gros, bouge pas. Oh, ok, super, merci mon gros. Ok. Hop là. Troisième limace verte. C'est pas beau ça? Non? S'en fout. Ok. Bah désolé, hein. Désolé de te déranger. Hein. Vraiment. Je récupère toute la biomasse.
Non. Voilà, parce que bon, c'est pas les endroits où on se balade le plus, donc franchement, j'arrache toute la biomasse, comme ça on y revient plus jamais. Et ça nous fera au début beaucoup de tickets très vite. Les plaques vertes nous donnent que dalle. Et le carburant solide nous régale. Tu es plus par là, je vais voir si je peux passer en dexté, mais j'y crois pas. Ok, non, j'y crois pas du tout. Ouais, j'y ai pas plus de secondes. J'arrive, j'ai juju des noix. Non, non, mais moi je suis pas à l'endroit du tout. En fait, je vous observe depuis les montagnes. Oh, ouais, bah vous pouvez observer que je ramasse tout. Vous pouvez apprécier ce niveau de nettoyage. Faut que je passe par le bas là, non? Non, je suis. Au moins, vous pouvez passer par le bas. Voilà. Alors, c'est pas ici. Donc on passe. Par ici. À récupérer. Il y a des choses à récupérer ici. Non. Bon, j'ai vu, vous ramassez même les brins d'herbe alors. Mais oui, puisque je te dis qu'en fait je récupère cette biomasse. J'ai compris que t'avais un gros mépris pour la biomasse. Mais tout ça, ça te sert à te feed en ticket de ouf au début. Puisque tu peux quand même récupérer le gros des ressources en ticket avec les biocarburants solides. Biocarburants solides qu'on n'a pas pu tester beaucoup plus que ça, puisque puisqu'on n'avait pas trop de réservoirs. Et là tu vas voir si on se met un petit réservoir et qu'on commence à fabriquer de la biomasse solide, ça va. Oula. Ok, baston ici. C'est le bastardo. Je crois que je les ai tous eus. C'est bon? Je crois hein. Ça a l'air hein. Non. On peut me suivre maintenant? Ouais, c'est parce que je faisais depuis le début hein. À peu près non? Oh là là, on est pas encore sorti. Hein. Ah non, pas du tout hein. On va dire qu'au moins c'est bien, les productions tournent. Exactement. Laisse donc vivre l'esprit de la machine. Là, vous m'avez dit que vous aviez de quoi l'île. Ah, c'est récupérable inutile là. Hein. Pas du tout, hein. Ah, il y a une sphère de Mercer sous nos pieds. Non, juste là à côté, là. Ah, bah merde. J'aimerais bien avoir d'ailleurs un jour la mage de ce truc là hein, parce que. C'est inutile ce truc là. Oui d'accord, là c'est juste des ramassables. De quoi? Les sphères de Mercer pour l'instant ouais sont inutiles. Non, il n'y a pas de limace verte là-bas. Oh, si, et en plus il y a une jaune juste au-dessus, parce que je connais les lieux. Allez, ramenez-vous les Pokémon. Y'a une jaune au-dessus, tu viens de friter avec moi ou t'as perdu tes couilles? Non, ça va, je suis là. Merde, j'ai même plus rapide. Oh, merde, j'ai loupé la marche. Je suis mort. Voilà. Je suis mort. T'es vraiment mort? Je suis mort. T'es mort, je vais. Non, faut juste que je refasse le tour, j'arrive. Ouais, mais la jaune est sous un caillou. Ah, elle est sous un caillou? Ah oui, après c'est une sphère de Mercer qui est là-bas. Ok. Bah vas-y, on passera plus tard. Oh, ah, je te sens méga saoulé. Il y a une verte? Ah, mais ouais, là où je suis, il y a une. Bah vas-y, hein, récup. Il y avait pas une jaune là où il y a l'autre moche là? Ah non, c'est une verte, d'accord, ouais. Ok, ça marche. Ah, du tout. Ça marche, ça marche. Arrêtez-vous. Je suis ici. Ici. Je veux pas de ça dans mon inventaire. Ok, je prends. Ça m'en fait que 8. Pendant que vous râlez, en attendant, ça fait 8 limaces. Hein. Non. Vite, détruire la végétation, détruire la vie, vite. Vite. Oh, ça respire, ça produit de l'oxygène, au secours. L'oxygène n'est pas produit artificiellement par une machine, c'est une catastrophe. Ok.
Donc c'est parti, voilà. Et donc tu vois les trucs qu'on n'a pas pu du coup débloquer parce qu'on n'avait pas assez de tickets, bah, nous auraient permis de faire des... bah justement, oh, juste des rampes en fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais mon alcoolisme fait des dégâts monstrueux. Hein. Toc. Jolie plateforme, ça me dérange. Ah, vous faites une rampe qui tourne. On appelle un escalier en colimaçon. Oh, monsieur, une rampe en colimaçon. On est dans Minecraft en fait. Pas forcément, mais est-ce que ça nous empêche pas de faire les choses un peu bien, quoi? Est-ce que sous prétexte qu'on n'est pas sous Minecraft, sur Minecraft, est-ce qu'on a forcément de faire que des choses dégueulasses? Alors, bon, il y a bien Zerator qui est pas d'accord parce que ça veut dire faut ranger sa chambre et qu'il a pas envie. Mais bon, c'est comme si je disais, est-ce qu'il aime faire des maps forcément dégueulasses sur... on va refaire un colimaçon là. Hein. Ouais. Ouais, non, on est passé... Non, ça passe, ça... Oh là là. Allez hop, ça dégage. Ça c'est nul. Oh, on refait. J'ai envie de vous mettre des coups de savate, monsieur. Mais après, on pourra faire une super tour radar ici aussi, c'est ça que j'oublie de dire. Qui est vraiment superbe. Superbe et incroyable dans le monde du gaming. Attends, j'ai bien laissé. Ouais, le milieu dégagé, parfait. Parfait, ça c'est bien vu l'aveugle. Comme ils disent dans le milieu. Et vous prenez exactement au même endroit. Oui, exactement, oui, j'en avais trop supprimé. Ça faisait plaisir de te faire tomber de l'escalier. Cache pas. Et cet après-midi, vous avez quelque chose de prévu en fait? Bah, je crois bien que je vais proposer un Warhammer 40 000 cet après-midi, je crois. Je crois bien, hein. Vous deviez des gens, hier? Oui, bien sûr. Oh, ils étaient pas vraiment là. Oh, bah, c'est peut-être à votre convenance, mon bon monsieur. On a une pente un peu plus douce qu'on puisse apprécier, voilà. Warhammer, c'est avec les nains, c'est ça? Warhammer 40 000, c'est avec les Space Marines. Ah, dans notre cadre, la garde impériale. Je vais crever ici. J'ai pas envie de crever ici. Parce que j'ai un peu beaucoup trop de stuff sur moi pour accepter de mourir ici. Je suis mort. Ah, je crois que vous êtes fait pulvert pull bleu là. Je crois voir une mort ridicule. Oh, mais moi aussi je vois une limace. Je peux mourir pour cette limace. Je suis prêt. Mon corps est prêt. My body is ready pour mourir. My body is ready for you. Attends, j'essaie de géolocaliser. Cette vidéo est beaucoup trop longue. Non, c'est qu'un détail. Ça fait beaucoup trop longtemps que les gens vous écoutent bailler, monsieur. Et râler, en plus. Moi, bailler, jamais. Râler, encore moins. On l'appelle le bailleur du Val, hein, quand même, mec. Hein. Regardez, cette tour décorée, incroyable. Hein. Ah, ah, ça va être vraiment ouf. Ça va vraiment être une belle tour de bitume, hein, croyez-moi bien. Là, vous voyez pas encore le plein potentiel de cette tour. Mais peut-être qu'un jour vous la verrez. Moi j'annonce une tour radar ici. Ah bon, regardez, je me remets même une plaque ici pour dire que l'escalier va continuer à monter. Et ouais, on se moque pas du monde, hein. Regardez, hop, on va essayer ici. Alors moi normalement je l'ai construit même moins pentu mes trucs. Mais là, la nécessité fait que, voilà. Je suis avec un jeune homme qui n'accepte pas que ça tourne trop longtemps, donc... Ouais, j'accepte pas que ce soit symétrique en fait. Ah oui, c'est vraiment. Je veux dire, la symétrie. Ah, par contre, à cette hauteur, on commence à avoir quand même beaucoup de limaces. On commence à avoir beaucoup de trucs qu'on n'a pas pris. Non, mais la symétrie, c'est ce qui a fait le monde en fait. Dans le monde est complètement asymétrique. Alors... Et nous, on a décidé de faire ça symétrique. Non, mais vraiment. Alors, oui et non. On est toujours en contradiction avec la nature. Hein. Mais non, parce qu'en paradoxalement, il y a. Enfin. Je suis d'accord avec toi.
D'un point de vue strict, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, le seul moment où je fais de la sylvestrie. Du coup, ça se dit pas, c'est un anglicisme. De quoi, du coup? Oui. Du coup, ça se dit pas. Ça ne se dit pas en réalité. C'est un anglicisme. Et si tu étais quelqu'un d'intelligent, tu le saurais. Ouais, mais je suis belge, monsieur. Non, tu es liégeois. N'insulte pas tes semblables. Une fois de temps en temps. What? J'en prends plein la tronche au secours, je me casse. Oh wow. Moi je voulais juste faire une jolie rampe, monsieur le monstre. Ouais, je me fais volontairement cibler. C'est dégueulasse. Je suis mort juste à côté de toi. Est-ce que tu veux bien me ressusciter, s'il te plaît? Ah, mais tu sers à rien. Mais non. Mais oh, non, écoutez, le mec il a mis sa tronche au milieu, il s'est juste pris des tirs en pleine face, quoi. Moi je t'attends sur place. Non, ne bougez pas, j'arrive. Ah bah, je bouge pas là. Hein. J'essaye un petit peu là, mais ça bouge pas trop là. Eh là, j'essaye. Ah, hey, tu sais quoi, ça me laisse le temps de me faire un café parce qu'en vrai, ça fait une heure que j'ai lancé mon café, 1h15. Toujours pas servi un seul café quoi. Voilà. Ah, allez-y. Hein. C'est parti, on se lance dessus. Sinon, il s'est passé des choses incroyables sur Heroic AO. Vraiment ouf. Le retour de Zinlen d'ailleurs. Entre autres. Le retour de Zinlen. T'as connu quoi toi comme personnage que avaient les autres joueurs? Je n'ai pas connu les premiers. Enfin, vous me parlez seulement de Zinlen et de Cineal. Oui. Blanchard Dantès, c'est ça. Vous me parlez de ces personnages-là? Oui, exactement. Je ne les ai pas connus. Mais du coup, quel est ce que devenus sont major, seigneur, maître de guerre? Peut-être le saurez-vous en rejoignant l'aventure. Non, je le saurais pas parce que personne m'en parlera jamais. Puisque, après tout, c'est quand même du passé. Ouais, t'es choqué à dessiner? Est-ce que t'es choqué un peu? Je le vis pas trop mal, t'inquiète. Il est en train de s'ouvrir les veines chez lui. Je le vis pas trop mal. C'est juste dans VN. Tout va bien. In tout venas. Non, mais. Réellement, ça va. J'ai vu du pire. Ah, je veux dire, me faire OS mon lutin bleu par un nain. Ah, t'as accepté que c'était un lutin bleu, un lutin vert. Ah non, moi je parle de mon lutin bleu, je parle de mon lutin vert. Le lutin vert s'est pas fait OS par un nain. Non, le lutin vert, t'as vraiment choisi Kilber. Ah, j'avoue que celui-là, je l'ai vraiment choisi. T'as vraiment choisi Kilber, désolé. Hein. J'ai vraiment lancé un jet de dés et fait allez, vas-y, à la mort. Bon. Hop là. Ah okay. Vas-y, c'est bien aimable. Il est où le gros qui nous crache? Légèrement sur la côte descendante à gauche. Léger. D'accord. Milieu gauche. Hop. Merci. Ah, de rien, je vous en prie hein. Ça monte encore un peu je crois, non? On va faire ça. Ça monte encore un peu, bonne question. Est-ce que je suis pas trop monté là? Si hein. Et attends, on va se mettre une pente plus douce là pour terminer. Voilà, on termine en douceur, ça c'est joli. Voilà. On encadre le gisement bien sûr. Bon, attends, il est où l'autre? Tu veux pas planter ton gisement avant de crever again? Si je peux, mais vous viendrez me faire revivre de toute façon. Ça c'est pas improbable ça. Logistique, c'est alimentation, logistique. Production. Ah bah vous savez quoi? Ah, il faut que je tourne de l'autre côté. Voilà, vas-y. Je suis en manque de béton. Ah ça c'est. Quelle cocasserie cocassette. Ça tombe bien, figurez-vous monsieur que j'en ai beaucoup. Alors attendez, je vais voir si je peux vous le faire tomber de où. Non mais c'est pas là, c'est là. Hop. Non, mais vous pouvez. Est-ce que paf? Voilà, c'est parfait. Il est en bas? Oh putain. Ouais. Hein. Puis je fais des tests, je fais des proto-tests. T'as récupéré le cadavre de Jean-Claude là que t'as buté? Jean-Claude de la Comta. Ah mais il est pas mort? Non. Pas encore. Et je peux pas continuer. Oh, je viens de le battre, il a pas kiffé. Voilà. Rush beat. C'est bon, je l'ai eu. Ah. Je l'ai juste eu. C'est facile. Hein, du gaz partout ici. Ah, c'est terrible, il y en a dans tous les sens.
Ok, très bien. Petite pente raide. Petite pente raide, certes, mais pente tout de même. Plutôt de l'autre côté, hein, la sortie. Hein. Excuse-moi, je t'enlève le bout de béton. Je pense que justement, il vaut mieux que tu l'inverses. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, nos usines, elles sont plutôt par là-bas, en fait. Voilà, très joli. Ça, c'est très joli, ma chère, oui. Bon, vous êtes grand garçon, moi, je vais m'occuper de mes usines et essayer de faire l'ascenseur orbital. Ça c'est vous qui gérez, monsieur. Bon, effectivement, je comprends pas ce genre de truc. Moi, tout ce que je vois, c'est que ça manque de très jolies barrières. Hein. Très jolies barrières. Vous devriez vous en sortir sans moi. Ouais. Ah, j'ai plus assez de. Ah, t'as des tiges sur toi ou pas là avant que tu te casses, salaud? Ouais, j'en ai 200. Ah, je veux bien les 200 du coup. Hein, parce que ça se dit pas du coup. Ouais, je suis le pire, et alors? Tu vas faire quoi? Je dis tout le temps du coup, moi. Alors, on en parlait encore il n'y a pas très longtemps, les fautes de fautes de langage qu'on utilise à tout bout de champ. Ouais, on en fait beaucoup. Hein. Ouais, j'en fais particulièrement. Ah, ah bon, on est, t'inquiète pas, un certain nombre, hein, ce qu'on appelle les tics de langage un peu. Hein. Je viens d'en utiliser un d'ailleurs à l'instant. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Ah, tout est trop intéressant. Je viens d'avoir un rayon de soleil sur mon bras au moment où je passe dans un rayon de soleil dans le jeu, j'ai pas tout compris. Je me suis dit que le jeu devenait vraiment fantastique. Tu t'es pas dit qu'il serait peut-être temps d'arrêter de jouer au jeu, de jouer à autre chose? De jouer avec la vie, la vraie, de sortir de chez toi. Bah justement, ces temps-ci, je ne fais que sortir de chez moi et de mes parents et voir mes potes, mais bon, là, jouer un peu... Ah ouais, t'as voulu absolument retrouver un peu ta vie de geek. Ah, j'aime pas ça, hein. Va falloir que je change tout ça, hein, parce que moi ça va me rendre malade. Hein. Faudra que je change tout ça, c'est vraiment impératif. Alors, combien est-ce que vous m'en avez fait de ça, monsieur? 150. Je suis pas très content. Hein. 150 seulement, bordel. Qu'est-il? 30 par minute. C'est ça pour un liégeois, je trouve. 30 par minute. Et toi, tu parlais quand même d'un peuple un peu plus courtois, quand même, hein. Un peu plus francophone, quoi. Plus convivial, tout ça. Oh, je vais mourir pour ça. Allez, c'est parti. Rush beat de ma vie. Ah oui, le fameux nouveau bug qui nous a implanté dans le jeu. Voilà, je peux pas passer par là. Nouveau bug, UH, ce que vous avez adoré. C'est super spécial. T'exploites qu'un seul gisement de charbon ici? Ah ouais, non mais tu vas être bon pour tout exploiter. Alors, effectivement c'est intéressant parce que c'est plus ou moins de ça qu'on parle quand même dans l'histoire. C'est que dans cette histoire là, il faut que je fasse une base qui prend tout le charbon. La méga base. La méga base à bon char sur laquelle on va produire de l'acier et surtout des munitions. Arrête-toi toi. D'accord, je m'arrête. Non, pas vous. Non mais c'est bon, j'ai compris. Je me casse au sein. C'est bon, j'ai fini les plaquages intelligents, on va pouvoir lancer une production de Stator et de... De Protor autant Stator? Ouais. Et de Raptor? Okay. Ouais, le Raptor, ouais. Le Raptor, Raptor Stator, ouais. Ouais. Mais normalement, lui, il est pas dans un caillou? Non, ça ne me va pas, ça. Ça, monsieur, ça ne me va pas. Hop. Je vais mourir pour rose, ça. Rose. Je suis sûr que je peux le faire sans mourir. Voilà. Là, ça me va un peu plus. C'est passé. Wouh. Pardon. T'es dans quel univers, toi, le mob? Le mob. Putain, y a un mob, il est dans un autre univers. Visiblement. Vous avez plus rien qui amène un super broyeur là, d'accord. Je crois que je suis en train de déco, hein. D'accord. Je pense que c'est en train de crash, hein. Je pense qu'une sauvegarde... Je pense qu'une sauvegarde s'impose.
d'urgence. Elle vient de se faire là. Vous voulez que j'en refasse une au cas où? Non, non, c'est bon, si elle est faite, elle est faite. C'est parce qu'en fait, j'ai des sauvegardes automatiques toutes les 10 minutes. Je sais pas pourquoi. Ouais, bah si, tu es inclus dans le jeu. Mais ils ont bien fait parce que le jeu est pas ultra stable non plus. Donc. En vrai, c'est intelligent de leur part. À chaque fois que j'ai une autosave, et ben j'ai mon jeu qui bug un peu. Et du coup, ça vous fait certainement bugger vous. Du coup, niveau poudre à canon, on est comment là? Niveau poudre à canon. On produit ou pas du tout là? Vraiment. Ouais. Alors là, on est au minimum de la production. Hein. Ouais, mais bon, on en produit ou pas? Parce qu'au minimum, ça veut dire qu'il y a une production. Non, c'est ce que t'es en train de me dire. Non, on en produit pas. Ah, d'accord. Super. C'est la mort de la production. C'est toujours plaisir. C'est grand plaisir ça. J'ai pas l'impression d'être tout seul à travailler ici. Vraiment. Vraiment, monsieur. Hein. D'abuser. Hein. Que ça je trouve que toi tu vas bouffer ça et ça, je vous rends ça, rends moi ça. Ok, on va laisser tourner un peu les plaques de fer renforcées. Ah, j'aime ce que je viens d'entendre. Auriez-vous découvert par le plus grand des hasards la patience? Non, c'est juste que j'en ai pas besoin pour le moment. Alors. En tout cas, petite section d'exploration très rentable, hein. je veux pas dire, mais 9 limaces vertes, 2 jaunes et une violette. Hein. Très très rentable, monsieur. Oui. D'accord, oui. Attendez que je vous mette ça en boîte, vous allez apprécier. Alors, il me faut les stators. Les stators, ça se fait avec des tuyaux et des fils de cuivre, et puis après. Ok. Je suis juste par faire ça. Pourquoi y'a-t-il une caisse ici? Pourquoi y'a-t-il une caisse remplie de ça? Alors c'est pas moi qui fais les boîtes hein. J'ai jamais ça la question. Ouais mais ça m'étonnerait que ce soit moi qui ai fait ça aussi. Ah, okay. Pourtant, non, c'est pas moi qui construis les boîtes. Hein. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que j'ai surtout fait l'usine à bon char. Vite, il faut que je change ça. Parfait. Refais-moi ça, toi. Ah non, il faut que je me refasse un petit stockage en fait. Je vais le remettre, le petit stockage. T'es où, petit stockage? Fondation, voilà. Ah, la boîte individuelle qui fait bien sûr la taille d'un conteneur entier. Évidemment. Après ça me dérange pas trop, ce qui me dérange surtout c'est quand je vois qu'un conteneur ou fait rien, ou que par exemple un truc qui me dégoûte c'est le double conteneur. Double conteneur qui coûte cher puisque bah, le grand en fait, c'est le grand là. Ouais, alors que bah finalement il a juste la capacité de deux fois un simple conteneur en fait. C'est nul. Genre ça fait pas un peu plus quoi, c'est genre la même contenance que si t'avais mis deux petits. C'est nul. Ouais, c'est ça. C'est juste nul. Autant mettre deux petits quoi. Technologie qui sert à rien. C'est pas genre tu gagnes une ligne, tu vois. Moi tu gagnerais une ligne, tu te dis ah bon d'accord quand même. Je fais ça pour une ligne de plus quoi. Il fait la taille du. De deux petits. C'est nul. Après ça, il est quand même intéressant le gros. Le gros. Vraiment? Pas? Enfin. Oh, ça va. La seule fois où moi je l'ai trouvé, on va dire. Ah, alors oui, alors j'ai choix entre transformer les tubes en acier en stator pour toi en méga raptor. On a ça, on a le détonateur de Nobelix Rixm, un truc comme ça. Et là, on avait dit. Ah oui, il faut de la poudre à canon, donc il faut que j'aille chercher. Alors attends, plusieurs choses. Ici, c'est toujours pas fait, hein. Putain, ça va me saouler. Hein. Ça va me saouler. Je vais le faire moi-même parce que ça y est, je suis saoulé. Le vous-même, mais voilà. Enfin, vous comprenez. Je suis saoulé. Hein. Je suis méga saoulé. Ah, c'est pas du tout bien placé, putain, je suis encore plus saoulé. Au fait, ça y est, hein, tu peux aller démolir ton machin, hein, nul. Hein. Mon machin nul. Ouais, parce que voilà. J'ai coupé le tapis depuis très longtemps, donc. Va falloir tâcher d'être plus précis. Tu peux aller démolir ton. Franchement, voilà quoi. J'ai toujours pas de quoi vous parler, mais. Mais tu vois le truc machin là.
de moins en moins clair. Nage. Ouais, 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 ouais. J'essaye, hein, mais je vois pas. Le broyeur. Ah, la montagne. Oh, je dois retourner là-bas, c'est cool. C'est... Mais non, mais attendez, vous avez oublié de dire que ça vous faisait grand plaisir d'y retourner, je crois. Ah bah d'accord. C'est pas vous qui disiez non, moi ça me dérange pas d'y retourner. Bah tant qu'elle tournait avec du catharium dedans, ça me dérange pas, mais là elle tourne pour rien. Bah yes, hein, et vous oublierez pas de me ramener du catharium, hein, et du plastique aussi tant que vous y êtes, hein. Ah bah si, je pouvais me faire des limitators. Oui, mais sûr. Je vais vous chercher ça. Ah, c'est toi qui m'as dit que ça te dérangeait pas d'y aller, hein, donc moi je t'ai dit depuis très longtemps, t'aurais dû la ramener. J'y suis allé une fois avec toi, je t'ai dit non mais vas-y viens, démonte tout, ramène tout quoi. Et que t'as pas voulu. Bah t'assumes, hein. Après tout ça te dérange pas d'y aller, hein. Officiellement. Ouais, je suis en train d'enlever tous les tapis qui l'y amènent, hein, du coup. On va avoir le répartiteur intelligent, monsieur. Incroyable, je sais toujours pas quoi, je ne sais toujours pas comment l'utiliser. Ah bon? Ah bah je te montrerai comment l'utiliser, ça me fait plaisir. Il me faudrait 25 stators. À l'occasion. Il est en train de se faire là, ça se produit doucement. Et puis moult chausserie quoi. Moult poudre à canon. Crafter la voue à la main. Ah ouais, très beaucoup de poudre à canon. Beaucoup de choses. Bah, attendez, bah je vais commencer à la craft à la main, mais je vais pas m'amuser à courir et du charbon qui est à gauche et le soufre qui est à droite. C'est bon quoi. Non, on est d'accord, vous l'avez fait ça, hein. De quoi? Le soufre là-bas, vous l'avez ramené jusqu'à la base? Pas du tout. Moi j'ai juste construit le béton. Oh non. Moi j'ai juste bétonné, hein, c'est tout monsieur. J'ai pas tiré de câble, rien, c'est pas mon travail. Hein. Moi mon travail c'est de faire du charbon. Hein. C'est ce que j'ai fait. Hein. Avec une très grande qualité humaine hein, d'ailleurs, hein, qui a été très appréciée par la commune. Ça va toi? Ouais, ça va. Ça se passe, c'est dans tes veines, c'est comment? Non, mais tout va bien. Écoutez, tu disais que t'étais un homme solide sur les appuis. Et que t'étais pas le genre de mec à trembler, tout ça, face à l'adversité. Non, non. J'ai toujours eu confiance en toi. Alors, ça dégage. Vous voulez du catharium. Le mec est au bout de sa vie. Oh, vous allez en manger du catharium, hein, là y'a pas de problème. Mais... Mais tu viens si tu veux qu'on aille au gisement de catharium pur, hein. Tu vas voir, c'est pas ultra loin, ça se raccorde, c'est pas trop un souci. Hein. Par rapport à l'envergure que va faire la base, t'inquiète pas, va, c'est pas le Mississippi. Hein. Ce qu'on oublie, c'est que là moi j'ai fait un grand plateau là vite fait parce que pour l'instant je vais pas démolir l'ascenseur orbital. Je te laisse le faire tourner parce qu'on en a besoin pour continuer à avancer. Mais après il va dégager, hein. il va aller sur le plateau. Ah mais y'a pas de problème. J'ai pas assez de poudre à canon là. Bon. J'ai encore du catharium. Oui, parfait. Allez, hein, non mais vous allez pas pouvoir vous plaindre bientôt. De te tirer du... Bah après je veux bien te le tirer mais le problème c'est que je te le tire jusqu'où en fait, c'est ça la question. Je te le tire jusqu'où le soufre? Non mais ça va, je vais le faire, je le fais pas. Parce que... Faut bétonner une base là hein. Je peux pas continuer à regarder ça comme ça, hein, Zinedine. Hein. Non, mais je vais le faire. Oh, cette sauvagerie, paysannerie, inacceptable. Ah, mais oui. Tu me dis que tu vas le faire, mais enfin, t'y es pas du tout. Hein. Ouais, enfin, je peux pas ramener le catharium et en même temps faire le soufre. Hein. Vous avez commencé à arrêter de me casser les pieds. Non, non, mais bon, je. Non, y a pas de problème, monsieur. Je vous prie. Je vois que vous vivez un moment compliqué dans votre existence. Bon, on vous dit tout. Je suis en train de tirer le soufre. Voilà, c'est ça la question. Oh. Faites votre catharium là. Et justement, je viens vous l'amener là.
Comment ça vous m'amenez du catharium? Vous m'avez dit ramenez-moi du catharium. Je vous ramène du catharium. Aussi, également. Certes, c'est pas faux. Venez prendre votre catharium maintenant. Alors, pour une fois, vous pourriez le laisser dans le coffre. Oh putain. Au lieu de le jeter n'importe où par terre et de mettre n'importe quoi dans les coffres. Vous pourrez commencer à mettre les choses intéressantes dans les coffres. Voilà, adopter une certaine forme de réflexion face à l'adversité. J'espère bien sûr que vous avez pensé également à récupérer les tickets. Sinon je vais gueuler. Bien sûr que non. Sinon je vais méga gueuler. Ben gueuler, allez-y, faites-vous plaisir. Fromage ! Voilà, c'est fait. Parfait. Alors. J'espère que ça vous servira d'exemple. Ah bien sûr, il faut que je lui mette du power hein, pour pouvoir. Ah, c'est pas considéré comme un mur, mais ta mère. Ouais. Ouais bah super, il y a un ticket si vous voulez jouer. Tiens, une fondation ou un élément. Il t'est cassé le jeu. Bon, il vous en fallait 25, j'en ai 27. Encastrement requis sur une fondation ou un élément similaire. Tu veux dire qu'il faut que je te fasse un mur pour pouvoir t'accrocher dessus? J'avais pas fait gaffe à ça parce que bon, après, c'est vrai que j'ai tout recouvert de mon côté, mais juste pour savoir, ça m'intéresse énormément. Est-ce qu'il faut impérativement, j'ai genre deux éléments encastrables comme cela, pour pouvoir fixer un support mural? Ah ouais, complètement. D'accord. C'est cocasse ça. Enfin, c'est cocasse. Rien de trop surprenant en vrai, mais. Ça m'étonne que le jeu aille dans cette volonté complexe. Ah ben là monsieur, si vous êtes pas content après ce que je viens de vous faire. Je comprends. Je veux savoir ce que vous avez fait comme connerie encore. Vous m'avez fait quoi comme connerie encore hein? C'est quoi cette connerie? Non, je lui suis le Caterium, 25 stators et un ticket dans votre petite caisse de base. Ok, très joli, merci. Fort aimable à vous, monsieur. Ah, écoute. L'amabilité. Très bien. Donc là, pareil, si je veux rester cohérent dans mon discours. Ah, mais non, je suis français, donc si je suis un politicien français, je suis obligé d'être incohérent dans mon discours, désolé. Mince, je me trompe. Du coup, reprenons. Je suis obligé d'être débilus. Désolé. C'est vrai que. Oh, si je fais ça en le sent passer dans la montagne, ça paraît mieux. Faisons des choses de type utilitaire. Comment tu tournes toi ici? Ok, tu me fais des stators qui vont là-dedans, ça. Ouais. On fait combien par minute? 5. Ah ok. Alors. Attends, c'est pas fini mon pote hein. On n'est pas fini avec ta. Ah, j'ai posé toutes mes plaques de fer renforcées, il m'en fallait. Ah. Il fallait en garder, c'est ça? Oui. C'est dans tes veines ou pas? Je vais me couper des veines, certainement. Il y a un certain esthétisme, certes industriel, d'une époque. Je veux dire, une époque du métal finalement. On pourrait dire de l'acier, mais je pense qu'avant tout c'est métal. Qui se dégage quand même de cette structure. J'aime. Si vous préférez. D'accord. Alors vous, bien, madame. Alors tout ça, vous devez me faire par des tables. Si je veux vraiment faire un mur en acier comme ça tout le long, je pense pas. C'est bien d'avoir gardé un style un peu ouvert. C'est souvent une chose qui m'est reprochée d'ailleurs dans Minecraft, c'est de créer des situations trop fermées. Ah bon. Donc on va ouvrir, on va s'ouvrir au monde un peu. Comment ça trop fermé? Ouais, c'est une chose qui m'est reprochée dans Minecraft. Vous faites des bases à ciel ouvert, c'est ça? Non, je crée justement des structures extrêmement fermées, hermétiques, qui empêchent toute contamination extrêmement lumineuse, de manière à se balader de manière très sécurisée. Et c'est une chose qui m'est reprochée. Ah oui, mais alors si je veux faire ça, en fait, il me faut impérativement les nouveaux... les fenêtres, ça n'existe pas chez vous, ça? Non, c'est pas le problème, c'est pas une question de fenêtre, c'est
par exemple dans Minecraft, je construis en mettant des barrières partout. Bah ça empêche les ça empêche un mob pop de venir au contact contre toi. Ah, si c'est joli. Ça me dérange pas. Ça c'est au jugé de chacun, mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est un. En fait, il faut que je démolisse tout là, c'est ça? Ouais. Yes. Est-ce que tu as rebranché un broyeur? Non. Ah, je t'avoue, je veux dire non. Non. Faut jouer un câble. C'est où? Non, le cul ivre derrière moi. Non. Le cul ivre. J'en ai parlé, tiens, avec des potes belges qui connaissaient des Français. Mm-hmm. Ben apparemment, c'est monnaie courante de se foutre, que les Français se foutent de leur gueule quand on dit cuivre. Cuivre. Mais comme on se moque de l'accent des Belges. Alors oui, alors ça, d'ailleurs, c'est une discussion que j'ai eue il y a pas très longtemps. Incroyable. Avec quelqu'un qui disait, ouais, mais les Français, vous êtes racistes, vous passez votre temps, vous foutre de la tronche de tout le monde. Si pour ça, si ça c'est considéré comme étant du racisme, oui, le français se fout de la gueule de tout le monde, tout le temps. Y compris du corse, y compris du breton, y compris de l'alsacien. Si tu veux, il y a ce côté où effectivement on rit des différences d'autrui, pas forcément méchamment, puisque il est quand même propre aux français d'être un peuple rieur. Ah, je concerne pas ça comme du racisme personnellement. Mais... Voilà, il y en a qui considèrent que c'est de la discrimination, qui le vivent mal, ce que je peux aussi comprendre. Mais c'est dans notre culture, c'est en nous en fait. On aime bien rire des différences d'autrui. Ouais, mais ouais, mais c'est ça. On aime bien rire des différences d'autrui, mais ça veut pas dire qu'on déteste les gens. C'est juste ça. C'est comme nous, on a un accès poussé vers l'alcool et la gentillesse avec les gens, c'est comme ça. Alors, on le vit bien. Accès poussé avec l'alcool, vous êtes pas le seul monsieur. Alors, vous êtes pas le seul peuple. Non, je sais, les Français se débrouillent pas mal non plus. Ouais, plutôt, ouais. Et les Russes aussi, d'ailleurs. Ça y est, on a le répartiteur intelligent au passage. Ah, les Russes. Ah, les Russes sont forts quand même. Les Russes, c'est normal. Non, faut dire ce qui est. Les Russes sont très forts là-dedans. Fort en fait, c'est ça le truc, je crois qu'à un moment donné c'est juste trop fort. Commencer à 12 ans, c'est peut-être un peu exagéré, quoi. Ouais, bon, on a chez nous aussi qui commence très très tôt, c'est pas le problème, mais c'est pas, disons que c'est bien plus minoritaire. Est-ce qu'on a des ressources là-dedans qui pourraient m'être utiles? Est-ce que c'est 3 champis? Est-ce que c'est suffisant? C'était où? C'était 2. Est-ce qu'on a 4 paix? Ouais, on a tout. Allez hop. Ah là là, les Russes, les fameux. Ok, on a fini toute la section nutriments. Incroyable. C'est plutôt cool. Il faut qu'on produise pas mal de poudrasse à canonasse. Vous avez déjà fini un épisode? Parce que là, je... Non, toujours sur le même épisode, évidemment. Oh, c'est un épisode un peu long, on discute, ouais, enfin t'as compris, on a plus rien à foutre, hein, de toute façon. Celui qui a envie de voir le truc, il le verra. D'ailleurs, merci à ceux qui regardent encore ou qui font un effort. Ah, c'est comme quand ils étaient petits et qu'ils mangeaient des légumes, quoi. Ils font l'effort de le faire, mais... C'est pas toujours agréable. Ça sent la personne qui est encore petite et qui aime pas trop manger des légumes. Ah non, moi ça va, franchement non. Ça va, non, mais... moi ça va, c'est bon, c'est passé. Ouais, non, ça va, c'est devenu digérable. Maintenant j'aime pas, mais je les mange, quoi. Ah, alors ouais, là je suis en bétail, c'est ça. On verra. Non, ça, j'ai passé ma phase où c'est non à tout ce que nous parents donnent. Non, mais c'est pas bon alors que j'ai pas goûté. Ah, on a vraiment un petit chieur. Ouais, c'est là que tu te dis, les parents ils ont quand même une très grande patience, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est certainement pas la patience de Knarf. Ah, encore une sauvegarde. Mais je suis pas ton père, quoi. Faut dire aussi. Non. Voilà. Je suis père de personne. Écoutez,
Ah mais c'est pour ça que c'est si lent. Qu'est-il? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est parce que ça n'arrive pas assez vite. Toi là, t'en sors combien par minute? Tiens, au fait c'est 18 piles que j'ai faites hein. Long. Ah oui, et je voulais aller au magasin pour acheter les nouveaux bétonnasses, mais tu peux nous poser un broyeur parce que tu dois avoir les ressources à peu près sur toi pour faire un broyeur. Est-ce que tu peux venir nous le poser dans l'usine de Bonchard s'il te plaît? J'arrive tout de suite. Comme ça on sait où il est tout le temps, il bougera plus jamais d'ici, on amènera les tapis jusque là, il n'y aura pas d'embrouille, ça se passera bien. On va essayer de le poser assez proprement. Avec tout ce qui convient d'y adjoindre, c'est-à-dire du contenant et du conteneur. Ça sera bien. Le seul défaut ici, c'est qu'il n'y a pas de conteneur. On doit vraiment appeler ça un défaut. Ça a quand même une sacrée gueule hein, ce que j'ai fait. Hein. Je veux pas dire, mais. J'ai pas foutu de la tête du monde hein, quand j'ai fait mon truc. Ah, mais j'ai ni l'un ni l'autre. J'ai pas un seul tube en acier. Pas un tapis MK3. Bah, c'est bien de la merde. Hein. Vous voulez des tubes en acier? Bah, si t'as plaque et tube, hein, c'est pour faire les du conteneur en fait. Plaque et tube, et plaque ouais, de quoi plaque et tube. Bah, tu sais, les MK3 les, en acier. Plaque en acier, tube en acier, c'est pour faire le stockage level 2. Les poutres. Ça, des poutres en acier. Ouais, bah, c'est quoi le nom? Bah, poutre, pas plaque. Ah, oui, poutre en acier, ouais. C'est des plaques, depuis le début. Hein. Plaque de fer renforcée, du coup, c'est des plaques en acier. Non, ils ont décidé de faire une petite folie d'appeler ça poudre. Ah, il s'est levé les matins, je fais, les gars, on leur ferait pas un prank? Ouais, au lieu d'appeler ça une plaque, on appellera ça une poutre. C'est ça ton prank? Ah, bon, ouais, on va venir. Je suis sûr que ça fera chier au moins un français sur terre. Ok. Et ils ont validé l'idée. C'est trop bien, on fait ça. Tenez du coup. Alors, vous venez de passer à côté de moi là quand même. Ah bah je te vois en fait courir contre un bloc de béton. Désolé. Arrêtez-vous. Si tu veux, mais enfin, moi je te vois pas, hein. je suis des 5 hein, je crois. Voilà. Ah ça y est, ouh, tu TP. Normalement vous verrez. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire un. Je sais pas, moi je vais le ramener. Un super broyeur. Oh bah j'ai tout ce qu'il faut, bah super. C'est bon. En fait c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut pour faire un super broyeur. Ah bah j'arrivais pour le mettre. Hop oh, bah. Allez super. C'est fait monsieur. Sachez que c'est juste fait. Ou alors je le tourne comme ça. On peut faire genre, on peut aussi accéder à l'arrière. Gros style. Voilà, on peut faire ça comme ça. Bon, je vais aller voir comment ça avance. Eh ben, je pense que ce broyeur étant posé, une petite pause peut s'imposer. Ah, c'est vous qui voyez. Moi, ça me paraît bien. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. On peut. J'en dis que 24. Je pense que je vais poser mes broyeurs en inversé. Voilà. Enfin, mes stockages en inversé. Voilà, face à la machine, hein. Tac. Tout. Tac. Du coup, celui-là, là. Ici. Ici. Ben voilà. 40 minutes. Hein, 40 minutes pour avoir seulement 100 trucs. Bon, bah, je te laisse. Je fais des bisous à YouTube. Et je vous dis à la prochaine, en fait. Ciao. Et à la prochaine.